Yo les bros, c'est JB, je suis super heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Tokyo Mirage Sessions Sharp FE sur Wii U. Pas grand chose à faire à part la première side quest de Mamori-chan. Oui, ça y est, enfin Mamori a un niveau de star suffisant pour commencer sa side quest. Elle nous a appelé à l'aide, nous sommes à Daitama et c'est parti. Oh, Itsuki! Oui, il y avait un problème avec Barry et Mademoiselle Maiko, c'est ça? Oui, enfin à ce propos, niveau 34, trop simple! Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, elle vient de dire que Barry s'était opposé à quelque chose dans Microwin with Mamori. Mais il adore ce show, alors je vois pas pourquoi il a changé d'avis si soudainement. Bah c'est parce que, en fait j'ai dit que très rapidement je voulais faire de la chanson. Et ça l'a trop motivé, c'est ça? C'est ce que tu veux me dire, Mamori? C'est vrai que j'aimerais bien chanter, mais ça ne veut pas dire que je veux arrêter d'être Mamori pour autant. Je suis là où j'en suis aujourd'hui parce que j'ai eu ce rôle. Au début, je jouais ça parce que les autres adultes me l'avaient dit. Mais j'ai commencé à m'amuser et mes fans, le staff, et même tout le monde, même oncle Barry a dit que mon travail était bon. C'est pour ça que j'ai commencé à me sentir bien dans mon rôle de Mamori. Dans ce cas-là, ça veut dire que Barry saute sur les conclusions? Non, ce n'est pas ça. Il a fait ça parce qu'il essaye de me protéger. Je n'ai pas vraiment beaucoup confiance en moi et je ne peux pas vraiment dire ce à quoi je pense. C'est pour ça que oncle Barry le fait pour moi. Ah, je comprends. Mais j'ai toujours été protégée par lui. Et c'est pour ça, Itsuki, je veux devenir plus forte. Je veux pas toujours avoir besoin d'être protégé par quelqu'un. Je veux de la force et de la confiance. Je veux pouvoir dire les choses que j'ai en tête. De la confiance. Et comment t'aimerais faire ça? Moi, j'ai une idée. Monsieur Drogue? Mamori, viens au Bloom Palace. On y parlera là-bas. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais avoir besoin de votre aide, Sir Itsuki. J'ai compris. Je vais vous aider du mieux que je peux. Très bien, dans ce cas-là, on se retrouve au Bloom Palace. C'est bien ici qu'il y a le mirage dont tu me parlais. C'est cela. C'est un général très très puissant. Je le respecte énormément. Son nom est Sir Lorenz. Quand on faisait des recherches dans cette zone la dernière fois, j'ai senti sa présence ici. Un général de sa stature devrait être capable de donner les conseils à Mamori dont elle a besoin. Tu te souviens de lui? C'est ça. Quand j'ai réussi à récupérer, il m'est apparu. Il semblerait qu'il ait laissé une grande impression dans ma mémoire. Et elle a du mal à partir. Je vois. Bon, de toute façon, Sir Lawrence a dû être lui aussi envoûté. Et il est tombé entre les mains de l'ennemi. En d'autres mots, on doit aller le sauver. Itsuki! Tu peux le faire, Mamori. Ne t'inquiète pas, on est ici avec toi. Ok. Donc c'était bien vous. Sir Lorenz, je vous implore, s'il vous plaît, reprenez vos esprits. Vous étiez un grand homme. Vous étiez battu pour votre pays et vos gens. Qu'êtes-vous devenu? Pays, gens, ça n'a aucun sens. Je me demande vraiment pourquoi mon ancien moi a été troublé par de telles choses. Maintenant, je ne ressens que la joie de couper le cœur de mes adversaires. Je vais prendre votre performa
avec ça votre puissance. Et je vais tout détruire. Ce monde, le pays et ses gens. Il n'y a pas d'autre façon. Mamori, tu dois le ramener à la raison. Tu peux le faire. Il faut juste que tu aies confiance en toi. Tout va bien se passer. On est là, à tes côtés. Itsuki, tu as raison. On va le faire. J'adore comment elle flippe, c'est excellent. Oh, et cette armure, elle déchire tellement. Tout ça n'a aucun sens. Bon allez, Touma, tu as vu ce qu'il y avait? Petit Windstrike, je compte sur toi. Et deux. Tranquille, ça commence très très bien. Bon, lui il va être un peu plus long à tuer, mais après avec Itsuki j'ai la bonne technique. Je sais pas si vous avez vu, j'ai mis la tenue d'ange à Tsubasa. Je trouve cette tenue super cool. Donc toi tu vas te prendre ça. Voilà, boum. Au revoir. Et là, on s'acharne tous sur Lorenz. Donc il est faible à la glace. Très bonne nouvelle. Et il est faible à la hache aussi. Donc nous allons lui faire un petit... Ah, on pourrait faire un shell splitter. On va faire un shell splitter pour commencer. Ah mais non mais... Il est pas faible à la hache. Ils savent pas. Je pense qu'il est faible à l'épée surtout. Donc on va lui faire un frost strike. Bien. Ça frappe bien fort, c'est cool. Ben voilà, on l'a mis à peu près 35%. Il charge. Ok, pas de soucis. Ah oui, et le truc qui est très très cool avec Mamori, c'est qu'elle défend les gens quand ils vont se prendre un gros coup. Et ça, c'est plutôt stylé. Un petit Tarukaja pour augmenter notre attaque. Ici, un petit Fatal Sword. Et normalement, ça devrait être fini. Ouh, elle fait tellement mal, Mamori. Ouais, cette tenue est ouf, hein. Et ben voilà, c'est fini. Cool. Stay drunk, Purin, pour Touma Hakagi. Ok, son âme d'entertainer. Achevé un nouvel éveil. Le Stand Proud. S'il vous plaît, revenez à vous. Qu'est-ce que j'étais? Non. Lorenz. Sir Lorenz. Merci. Vous allez bien? Je vois. C'est donc cet enfant qui a cassé ma malédiction? Je suis désolé de vous avoir causé autant de troubles. Lorenz, Sire, nous apprécierions si vous pouviez donner quelques conseils à cette jeune fille. Elle a un problème parce qu'elle n'a pas assez confiance en elle. Et on s'est dit que peut-être que votre aide de général pourrait nous aider. Jeune demoiselle, quel est votre nom? Bonjour, Sire. Mon nom est Mamori Minamoto. Mamori. Tu es sortie victorieuse d'un combat contre moi. Tu es de loin très forte. Ce n'est pas parce que tu es un petit gabarit que tu n'as pas suffisamment de courage. Tu n'as besoin d'aucun conseil d'un vieux fou comme moi. Mais si je devais te céder une partie de mes connaissances, il semblerait que tu es très sensible
à ce que les autres pensent. Fais comme tu le désires, comme ton cœur te le commande. C'est un privilège que les jeunes ont, après tout. Oh, je comprends. Merci pour vos mots, Sir Lawrence. Tu l'as fait, Mamori. Je ne sais pas comment on a fait ça, mais c'est comme si j'avais réussi à comprendre. L'âme d'entertainer de Mamori Minamoto a atteint un nouvel éveil. L'inspiration de Mamori a pris la forme d'une nouvelle performa. L'opinion honnête. Tu t'es bien débrouillé, Mamori. Je n'aurais pas pu le faire sans vous. Merci, merci beaucoup. Il semblerait que j'ai utilisé beaucoup trop de ma puissance. Je vais rester en ces terres pendant un peu plus longtemps pour veiller sur vous. Adieu, jeune guerrière. Itsuki, je vais aller parler à mon oncle avec mes propres mots. Oui, je suis sûr que tu seras capable de t'exprimer auprès de Barry et lui dire ce que tu ressens. Oui. Le nouveau Radiant Skill, la porte du courage, a été réalisé. Il semblerait que tu sois capable de dire ce que tu ressens à Barry, Mamori. Oui, mon oncle était très heureux que je sois capable de lui dire avec mes propres mots. J'ai entendu que il avait été tellement heureux qu'il en a même versé une larme. Encore une fois, l'affection qu'il a pour toi est très profonde. Mais bon, j'étais capable de faire ça grâce à toi et à Itsuki. Et j'ai finalement confiance en moi. Cette force était déjà là, Mamori, cachée quelque part. Je suis sûr que tu pourras encore faire de meilleures performances en tant que Mamorin maintenant. Merci encore une fois, Monsieur Drogue. Elle a changé. C'est vraiment la meilleure Mamorin que je n'ai jamais vue. Elle a l'air tellement pleine de vie. Et tout ce temps-là, je ne faisais que la retenir et empêcher son potentiel de s'exprimer. Barry. Allez, je te laisse faire le reste. Je suis de retour. Hein ? Où est-ce que tu vas, oncle Barry ? Tu m'as promis qu'on partirait ensemble, alors je veux pas partir sans toi.
C'est bon, Barry. Je sais pas vraiment de quoi vous parliez, mais je pense que moi aussi que tout va bien maintenant, c'est ok. Mamori, tu es vraiment un ange. Si les anges existaient, ça veut dire que Dieu existe aussi. Oh là là, maintenant j'en ai des preuves. Bon, dans ce cas-là, je vais attendre dehors. C'était un peu bizarre. Bien, bon retour. Alors, ça s'est passé comment? C'était génial. J'ai senti que j'avais fait la meilleure de mes présentations. Enfin, j'espère. Je vois. Et merci pour toi de m'avoir prêté ta force, Itsuki. C'est grâce à ça que j'ai été capable de croire en moi. Bon, ça veut dire que je pourrais toujours quand même compter sur toi, non? Ce n'est pas une si mauvaise chose. Compter sur les autres, protéger et être protégé, ça sert à ça, les amis. Oh, Itsuki! Aussi, il y a le fait que tu aies permis à Sir Lawrence de retrouver son état normal. Tu devrais être encore plus confiante en toi. Tu as raison. Je vais continuer à faire de mon mieux. Mais bon, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et j'espère que tu continueras à veiller sur moi. Dans ce cas-là, on peut y aller? Barry nous attend après tout. Job complete! Oui, Stay Drunk 4! Protectors Energy! Mamori Minamoto a grandi en tant qu'entertainer. Elle est devenue la brave Mamorine. Elle a acquis la spéciale performance Microwaving Heart! Ok, on se retrouve pour la deuxième side mission de Mamori! Oh, Itsuki, tu es venu? Honnêtement, je suis inquiète pour le show de Microwaving. Est-ce que je pourrais avoir un peu de tes conseils? Mais bien sûr. Bien, le producteur de Mamorine voudrait changer un peu la direction du programme. Bah pourquoi? En fait, il m'a complimenté pour mon dernier shooting, mais il a dit que j'étais devenu vraiment meilleur. Mais tu as fait de ton mieux après tout. Bon, de toute façon, il a aussi dit que il était sûr que je pouvais gérer maintenant et que je devrais faire un short skit. Un skit? Oui. Mamorine va avoir une grande sœur plus vieille et elle est supposée faire de la nourriture pour elle. Et alors, en quoi ça te pose un problème? Eh bah, ça commence au prochain tournage et il me demande d'agir en tant que la sœur la plus jeune. Mais je suis qu'un enfant et j'ai du mal à jouer ça. Tu as juste à t'entraîner en faisant la plus petite sœur. On a beaucoup de filles plus vieilles à l'agence, tu le sais. Pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas à l'une d'entre elles de nous aider? Je vois. Qui serait le mieux pour ça? Ah, donc on a Tsubasa qui serait la grande sœur un peu sympa. On a Ellie qui serait sincèrement la grande sœur casse-couille. Et on a Mademoiselle Maiko qui serait plus la mère. Je dirais Tsubasa. Ou peut-être Ellie. Ah, c'est compliqué. Tsubasa, qu'est-ce que t'en penses? Que penses-tu de Tsubasa? Elle est plus vieille que toi, techniquement. Itsuki, ça sonne un peu bizarre. Ouais, maintenant que tu le dis, je l'ai dit à haute voix, Tsubasa n'a pas trop le rôle pour ce... pour ça, quoi. Peu importe comment je regarde ça, tu te débrouilles bien mieux qu'elle. Et Tsubasa n'a pas l'air vraiment de faire la grande sœur. Oh, je ne donnerai pas mon commentaire là-dessus. Bah, je dirais Maiko. Oh, alors ça, c'est vraiment surprenant.
Pourquoi? Qu'est-ce que t'en penses? J'avais vraiment envie de te recommander quelqu'un à laquelle tu ne t'attendais pas. Oh, mais mademoiselle Maiko, c'est plus comme une maman. Enfin, moi, je le vois comme ça. Ah, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai. Alors, n'y pense pas dans ce cas-là. Ouais, mais il reste Ellie, quoi. Et que penses-tu d'Ellie? Elle est peut-être un peu chelou à ces moments, mais on peut lui faire confiance. Mais après tout, elle veille aussi sur les autres. Alors, qu'en penses-tu? C'est peut-être celle qui est la plus recommandable dans le groupe. Oui, je pense que tu as raison. J'étais sûr que ce serait à cette personne qu'on devrait demander. Tu as vraiment un bon œil pour juger les gens. Tu le penses vraiment? Oui. Et en plus, j'ai envie qu'on se mette au travail. Dans ce cas-là, je devrais aller au Listen Studio pour m'entraîner. Et je vais demander à Ellie de m'aider. Oh, et c'est donc pour ça que tu m'as demandé de venir ici? Oui. Eh bien, je vais t'aider alors. C'est pour toi, ma chère Mamori, après tout. Oh, tu agis déjà comme une grande sœur. Te moque pas de moi! Je peux vraiment aider, tu sais. En plus, dans la vraie vie, je suis vraiment une plus grande sœur. Vraiment? J'ai 3 petits frères. Bon, ils ont c'est des têtes brûlées, mais... Je vois maintenant. Tout se rejoint. Très bien. Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut commencer? Ça serait mieux de faire un peu d'improvisation dans ce cas-là. C'est quoi l'improvisation? On va choisir un élément, on va construire une scène et on va faire des personnages d'un coup, comme ça. Dans ce cas-là, je vais moi aussi faire la plus petite sœur, pendant que toi, tu feras la plus vieille. Et pour le setting, voyons. Et si on allait faire du shopping ensemble? Oh, mais ça sonne trop fun! Je suis un peu nerveuse, mais je vais faire de mon mieux. Tout ira bien, Mamori. Ce n'est qu'un exercice. Alors, reste calme et amuse-toi. D'accord, Ellie. C'était quoi, ça? Ok, 6. Bon, dans ce cas-là, on peut commencer? Mamori, commence à l'entraînement. Mamori! Qu'est-ce qu'il y a, grande sœur? Bon, je vais aller à l'épicerie. Est-ce que tu veux quelque chose, Mamori? Dis-lui de t'emmener avec elle. Grande sœur, je vais aller faire du shopping avec toi. Bien sûr, comme ça tu m'aideras à porter les courses, ok? Bien sûr. Ça se passe plutôt pas mal pour l'instant. Voyons voir. De quoi est-ce que je pourrais avoir besoin? Alors, on peut lui dire, demande-lui si elle peut t'offrir un snacks ou séparez-vous pour être plus efficace. On va lui dire, séparez-vous pour être plus efficace. Eh, suggère-lui que vous pourriez peut-être vous séparer pour être plus efficace. Oh, pendant qu'on est toutes les deux ici, ça serait mieux si on se partageait les courses. Et si on allait acheter les choses séparément? Mais c'est vrai! Mais pas vraiment! On est ici pour une seule chose, alors ça ne fonctionnera pas si on se split en deux. Oh, tu as raison! Ok, recommençons la scène. On va commencer depuis le début. Demande-lui si tu peux avoir une sucrerie. Hé, hey, grande sœur, je voudrais manger un petit truc. Un snacks? Mais on vient juste de prendre quelque chose. Je veux du chocolat. Toi, tu prends toujours des rice crackers. Très bien. Tu peux acheter quelque chose, mais pas au-dessus de 100 yens, ok? Je pense qu'elle commence à bien avoir leur rôle de sœur. Ah,
Bon, on a acheté beaucoup de choses. Merci de m'aider à porter les sacs, Mamori. T'as été d'une grande aide. Et si on se payait une petite glace? Alors, il y a soit extrêmement heureuse ou Beef Balls Beats Ice Cream. Elle voudrait du Beef Balls dans sa glace. Soit extrêmement heureuse. Oui, j'adore la glace. Je t'aime, grande sœur. Et si on prenait des goûts différents alors? Quoi? Mais non, moi je veux le même que toi. Mais si elle est différente, comme ça on pourra chacune goûter la glace de l'autre. Oh mais oui! Grande sœur, je vais faire un dîner pour te remercier de cette glace. Oh, qu'est-ce que tu vas nous faire? Du curry, bien sûr. C'est facile à faire au micro-ondes. Mamori a complété son entraînement. Bon, ça te va quelque chose comme ça? Qu'est-ce que t'en penses, Mamori? J'ai un sentiment curieux et... C'est comme si j'avais réussi à être encore plus proche de quelqu'un qui n'était pas de mon père ni de ma mère. C'est comme des amis, mais... C'est ce qu'on ressent quand on est la plus jeune des sœurs. L'âme d'entertainer de Mamori Minamoto a achevé un nouvel éveil. L'inspiration de Mamori a pris la forme d'une nouvelle performa. Comptez sur toi. Tu l'as fait, Mamori. Merci, Itsuki. Et toi aussi, grande sœur. Oh, tu peux arrêter de m'appeler comme ça. Le nouveau Raiden Skill, la porte vers la famille, a été réalisé. Que la vérité soit dite, je ne suis pas vraiment la personne que j'étais durant l'accident. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bah, je me suis toujours senti... que tu étais un peu trop dépendante pour ton âge, Mamori. Tu penses vraiment? Mais à travers cet entraînement, j'ai senti que j'avais vu un toi qui agissait avec ton vrai âge, la vraie toi, Mamori. Dans ce respect, je pense que cet entraînement t'a été très gratifiant. Tu as eu l'air d'être plus relaxé que d'habitude. Je suis sûr que tu vas réussir à faire ton nouveau personnage encore mieux qu'avant. Merci, monsieur Drogue. お腹が空きすぎて爆発しそうよ。
それじゃあ今日も行くよ。心の温めスイッチオン。お疲れ様でした、エリーさん。Merci pour tout, Ellie. お疲れ、マモリ。Très bon travail, Mamori. おい、イツキ、あんた来てたのね。Itsuki, tu étais ici toi aussi? Bon travail là-bas, vous deux. Bon, j'ai quand même été surprise quand Maiko m'a dit soudainement tu vas dans le show de microwaving. J'imagine que la spéciale technique, le renversement de tone shift, est ce dont mademoiselle Maiko parlait. C'était ok? J'étais un peu inquiète pour faire la grande sœur, parce que je suis biraciale et il n'a jamais été vraiment de question de tout ça dans le show. Bon, j'imagine que c'est vrai, mais je pense pas que ce soit un problème après tout. Ça montre juste à quel point toutes les deux vous étiez naturelles ensemble. Mais oui, Ellie, c'est la meilleure des grandes sœurs. C'est incroyable à quel point c'est une vraie actrice et ce qu'elle arrive à faire. C'est vrai. Eh bah, je me prépare à aller à Hollywood après tout, alors ce n'était rien. Au fait, Ellie, j'étais comment? Est-ce que j'ai vraiment joué bien mon rôle de petite sœur? T'étais parfaite, n'est-ce pas, Itsuki? Vous aviez l'air d'être des vraies sœurs. Vraiment? Oh, merci! Ah, j'ai enfin pu ressentir ce que c'est d'avoir une petite sœur. Alors c'était une bonne expérience pour moi aussi. Merci, Mamori. C'était pareil, Ellie. Et toi aussi, Itsuki. Oh non, je n'ai rien fait, moi. C'était dû tout ça à ton dur travail, Mamori. Non, cet épisode de Mamorine, il s'est bien passé parce que tu m'as donné de très bons conseils durant l'entraînement. C'est pour ça que j'aimerais te remercier, Itsuki. Oui, t'es un peu comme un grand frère pour moi, Itsuki. Je devrais peut-être t'appeler... grand frère pour maintenant. Bien sûr. Merci de m'aider tout le temps. Oni-chan. Job complete! La petite sœur de la Fortuna Family! Mamori Minamoto a grandi en tant qu'entertainer. Elle est devenue la petite sœur de tout le monde. Elle a la spéciale performance Microwave in Soul! Mademoiselle Maiko. Itsuki. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez ce regard vraiment hyper flippant sur votre visage. Je pensais juste à quel point Mamori et Tiki... Eh bah, c'était vraiment le destin, hein. Comment ça? Une collaboration. Pense-y. Une collaboration entre la 2D et la 3D. Le duo ultime qui peut instantanément faire fondre le cœur de tout le monde. Avec ce charme innocent et leurs si douces voix. Je vois tellement l'argent. Non, pardon. Je veux dire, on va apporter la joie à tous les cœurs. Oh, allez. T'aimerais le voir toi aussi, n'est-ce pas? Eh ben... Ouais. Alors dans ce cas-là, c'est décidé. Oh, je vais les appeler maintenant. On va pouvoir parler de leur jeunesse à tout jamais. Vous devez exagérer un petit peu, non? Tu comprendras quand tu seras plus vieux. Mamori Minamoto et Tiki ont acquis le duo Art Love For You. Ok, donc on se retrouve à Enzu pour voir les quelques nouvelles tenues disponibles. Je pense que
Mamori et Eleonora ont pas mal de nouvelles tenues. C'est tout ? Oh, je suis tellement déçu. Ah, elle a le Microwaving Apron. Elle est assez stylée. Bon, là, elle a le Microwaving Apron aussi, qui est assez cool. Donc, Itsuki, c'est bon, j'ai la tenue d'écolier. Tsubasa, j'ai donc la Amrita One Piece, avec le Gainax Boons. Et la Windy Wither, qui est plutôt très très stylée. Il nous reste le Twinkle Charm, qui est un peu trop... Je sais pas, je l'aime pas trop trop. Même si les collants charmes font beaucoup rire, je suis pas méga fan. Le Sky Blue Smile, je trouve pas beau du tout. Par contre, j'aime bien le Shiny du clip Feel. Bon, à voir. Touma, j'ai le School Life et le Gaia Street. Il y a le Bull Genome, qui est plutôt stylé, mais non. Et Kiria, nous avons le Labyrinth Rock, qui est pas top top. En fait, j'aime pas le chapeau. Il y a le Perfecto Cat, qui est plutôt stylé, avec le dé sur la queue, je trouve ça assez cool. Et le Twinkle Charm, qui est beaucoup plus stylé que celui de Tsubasa, même si le chapeau, je suis pas méga fan. Ok, bon bah y a pas de tenue oufissime, comme j'espérais. Nous allons au Hanzu Lottery. Il y a pas mal de... Ah, il y a un nouveau poster, je pense qu'il m'en manque que un. On va checker ça. J'en ai 17 sur 18. J'ai 37 mail marques, c'est parti. Oula ! Oh ! J'ai une nouvelle tenue pour Tiki, qui sera donc la tenue Microwaving, qui sera donc en accord avec la tenue d'Eli et de Mamori. Donc c'est plutôt stylé. Et j'ai eu Microwaving Hydral. Je vais réchauffer votre cœur en appuyant sur un seul bouton. Ok, bah cool. On se fait dire que j'ai tous les posters. Cool. Ok, très bien, Mamori. T'as été tellement mignonne, comme d'habitude. Ton prochain concert devrait être parfait dans ce cas-là. T'es tellement un ange. L'audience aura juste à poser un seul regard sur toi et ils vont exploser de ta mignonnerie. Mais ça sonne horrible. Prochain, Itsuki, c'est à ton tour. J'ai compris. Use ton abdomen. Mets de la puissance dans ton estomac. Non! Je respire avec ton abdomen. Tu dois te souvenir de l'abdominal breathing. Tu façon de respirer avec l'abdomen. Je croyais que je t'avais entraîné mieux que ça. Tu ne seras jamais le backup singer de Mamori si tu continues avec ces conneries. Très bien. On commence tout depuis le début. Tu vas me donner 100 squats. C'est parti. Oncle Barry, tu ne penses pas que c'est un peu dur pour Itsuki? Pas du tout. Les backup singers ou pas, il doit avoir un travail professionnel. Il doit le prendre sérieusement. Merci Mamori, mais je vais bien. C'est comme ça. Maintenant, t'as le feu dans tes yeux. Très bien, retournons à la leçon. Donne-moi 300 squats et c'est parti. Mais tu lui en fais faire plus. Intermission terminée. Itsuki Aoi a grandi en tant qu'entertainer. Il est devenu stage manager. Chapitre 4, l'audition. Kiria, hé Kiria, est-ce que tu peux m'en dire plus à propos de ton premier concert légendaire? Je suis sûr que tu en connais plus que moi là-dessus, Tsubasa. Mais je veux l'entendre de ta bouche. Tsubasa, je pense que tu devrais te calmer un petit peu. Mais... Oh Tsubasa, tu sais que tu ne peux plus être une fangirl dorénavant. Et de plus, comment s'est passé ton test de maths de la dernière fois?
Tsubasa, tu ne seras pas une vraie idole tant que tu n'auras pas compris l'importance de faire le médian entre ton travail et ton travail à l'école. Bon, c'est pas comme si t'étais vraiment une génie des maths, Aya. Sois sûr de bien étudier la prochaine fois, compris ? Eh, mais j'étudie ! Et en plus, quand est-ce que je vais avoir besoin d'utiliser le calcul dans la vraie vie ? J'ai une grosse annonce à te faire, Tsubasa. Une grande annonce ? Tsubasa, tu as été choisi pour jouer le lead à Deiba TV dans le nouveau show Sneeze Detective Mao. Quoi ? Il semblerait que le nouveau président de Deiba TV t'aime plutôt pas mal, Tsubasa. Mais ça doit être une blague, n'est-ce pas ? C'est drôle ! C'est quoi déjà la punchline ? Mais Tsubasa a juste commencé sa carrière d'idol. Wow, c'est plutôt une grosse partie. C'est une surprise, n'est-ce pas? Je suis tellement heureuse qu'elle commence les cours d'acting. Peut-être que c'est la musique qui l'a aidée. Peut-être que c'est le modeling qui l'a aidée. Ah ouais, non, mais là, les deux fonctionnent en fait. Bah bien sûr, j'ai uploadé J'ai uploadé le clip de Fly. Non, c'était pas Fly, c'était Phil. J'ai uploadé le clip de Phil sur plein de sites. Et maintenant, on a plutôt beaucoup dû. Donc, ça doit être ça. Ouais, c'est peut-être aussi le fait que les gens parlaient tous du Pégase réaliste dans la vidéo. Mais c'est vrai que pas mal ont aimé sa façon de chanter. J'ai même entendu des gens parler d'elle à l'endroit où je travaille. Oh, j'ai compris maintenant. C'est juste une grande blague. Ah, les gars, Itsuki, où est la caméra cachée? Désolé, mais ce n'est pas une blague. Ils veulent réellement te voir pour une audition. En plus, c'est dirigé par Kuen Tarashino, qui est plutôt en vogue en ce moment. C'est une histoire de détective avec aussi bien de la comédie et de la tragédie. C'est vraiment fait pour les adolescents. Et en plus, c'est ta chance de rentrer dans la grande ligue, Tsubasa. Kuen Tarashino ? Je pense que j'ai déjà vu un de ses shows avant. Donc je vais réellement jouer le main caractère ? Enfin, le personnage principal ? Vraiment ? Ce n'est pas une sorte d'erreur ? Pas d'erreur, Tsubasa. Tu as le rôle, le premier rôle. Et j'ai même réussi à t'avoir un script. Tu vas jouer Mao. C'est une détective extrêmement skilled, extrêmement aguerrie, qui peut résoudre tous les crimes. Mais elle a un secret. Quand elle se mouche, elle se transforme en une jeune fille complètement badass. Oh non, elle se transforme d'une très jolie jeune fille en un garçon complètement badass. C'est un peu ça l'accroche. Sois sûr de bien lire le script. Tarashino m'a dit que il se montrait sans merci juste parce que t'es une newbie. Et Ellie fera le casting aussi. Elle a un rôle assez intéressant. Oh, au moins Ellie sera avec moi. Et il semblerait aussi que Yashiro veuille faire un caméo pour la première partie du show. Alors tu devras peut-être apprendre une chose ou deux. Yashiro Tsurugi ? Tsubasa, sois sûr de faire de ton mieux, d'accord ? Oh, t'inquiète pas, je l'encouragerai. Mais non, tu ne feras pas que ça, Itsuki. Toi aussi, tu as un rôle dans le Sneeze Détective. Mais oui, toi tu feras un peu d'extra. Rien dans le script. Ils ont besoin de quelqu'un en plus, quoi. Alors, je t'ai signé dessus. Il y aura un entraînement pour commencer. Alors, je veux que vous deux, vous alliez au Deiba Studio et voir ce qui s'y passe. Compris. Alors donne-toi aussi de ton mieux, Itsuki. Quelques jours plus tard. Oh, Yashiro Tsurugi, salaud.
Ok, bienvenue à Daiba Studio. C'est le studio où on shoot les dramas de Daiba TV. C'est Tarashino qui décide de tout ici. Si dans l'industrie, bienvenue. Y'a pas des trucs à ramasser là qui traînent ou... Non, bon. Là y'a un écran d'ordinateur, là y'a un fond blanc, là y'a Yashiro. Là y'a Ellie et Tsubasa. Ah bah voilà. T'es nerveuse Tsubasa? Non, je le suis pas vraiment, mais c'est ma tête, tu sais, elle plane un petit peu pour quelques raisons. Ouais, ça c'est la peur de la scène. C'est plutôt mauvais même. Écoute-moi, c'est toi qui diriges Tsubasa. Tu vas devoir plonger dedans et donner au directeur tout ce que tu as. C'est comme ça l'esprit d'Hollywood. Mais... Yashiro! Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis ici en tant qu'extra. C'est donc ça. Et à toi? Qu'est-ce que tu fais, Yashiro? Je n'ai pas lu le script, alors... Utilise ça. Script du casting. Oh! T'es sûr? Je connais déjà mon texte. Tout? Tu veux dire que tu as déjà tout mémorisé? Mais oui, c'est comme ça que je serai au mieux dans mon personnage. Ça n'a rien de spécial. Tu es peut-être qu'un extra, mais tu es quand même un acteur. Tu devrais au moins checker la scène dans laquelle tu dois être. J'ai compris. Donc tu joues le méchant? Oh, il semblerait que tu aies beaucoup de scènes avec Tsubasa. Les parties de Mao. Rassure-moi, Oribe n'est pas une amateur complète. Ça fait mal à voir. Eh bah, si, elle l'est. Tsubasa vient juste de commencer les leçons d'acting, et alors... apparemment, c'est le président de Daiba TV qui l'a poussé là-dedans. Pourquoi est-ce qu'il voudrait qu'une novice comme elle ait le rôle leader? Ça doit être une motivation intérieure bien plus loin. Une autre motivation? Tu penses que quelque chose se cache derrière ce casting? Toi, t'es plutôt bizarre. Tu me demandes vraiment mon opinion? On se tient de deux côtés opposés. Tu m'as combattu en tant qu'ennemi. Est-ce que tu es réellement notre ennemi? Je pensais que c'était moi qui te posais les questions. Si tu es réellement contre nous, tu aurais dû nous détruire cette fois-là et prendre Tiki par la force si tu l'avais désiré. Mais tu ne l'as pas fait. Alors, je ne pense pas que tu sois vraiment notre ennemi dans ce cas-là. Je dirais que c'est un peu dur de faire des conclusions là-dessus directement. C'est tout ou rien. Et à propos de ton père, tu fais tes recherches pour savoir ce qui s'est passé il y a 5 ans, n'est-ce pas? Peut-être que tu devrais... Toi, tu es vraiment bizarre. Tiens-toi juste en dehors de mon chemin. Très bien tout le monde, retournez à vos positions. On va recommencer là où on s'était laissé. Mais ça voudrait dire que... C'est donc ça, le plan du tueur en série. Il est connu comme le Hip Hunter. Et bah dans ce cas-là, je vais essayer de l'attraper. Ce sale criminel. Atchoum! Bah très bien. Ça commence à devenir intéressant. Il n'y a pas un seul criminel vivant que je ne pourrais pas attraper. Attendez, le Hip Hunter, c'est le moment de frapper à sa porte. Coupé! Mais c'était quoi ça? On recommence complètement. Je suis désolé. Tu veux dire que c'est donc le plan complet du tueur en série, connu sous le nom de Hip Hunter.
Est-ce que je serais capable de l'attraper? Un tel criminel? Vas-y! Tu dois être sérieuse! Mao doit enquêter sur un meurtre! Elle est pas en train de lire sa liste de courses! Oh, j'ai compris! Qui veut dire? Tout ça était donc le plan du tueur en série, connu sous le nom de Hip Hunter! Coupé! C'était vraiment naze! Comment est-ce que t'espères que l'audience va croire que c'est un dangereux criminel? Très bien. Ça ira pour aujourd'hui, tout le monde. C'est finalement terminé? J'ai dit que c'était une audition. Et je vais le redire. Je veux que au moins 50% des viewers de ce show, au moins. Je ne veux vraiment aucune mauvaise review dessus. Alors, faut qu'on continue pour pas que la série soit coupée. Ce qui veut dire que Oribe, devant et au centre. Mais je pensais que vous aviez dit que c'était fini pour aujourd'hui. Mais non, j'en ai pas fini avec toi. Tu restes ici jusqu'à temps que j'ai compris. Ton esprit, ton âme de Mao. Tu ferais bien de te préparer, Oribe. Mais il semblerait qu'elle soit traînée dans la cave du directeur. Je pense qu'il va sortir les trucs un peu brutaux. Il est complètement bloqué sur elle. Et il n'a eu aucune merci pour son mauvais jeu d'actrice. Je pense que ce n'est qu'une question de temps avant que le rôle soit recasté. J'espère qu'elle est ok. Ça doit être quelque chose que Tsubasa va devoir dépasser par elle-même. L'entraînement de Tarashino est dur. Les gens disent qu'ils font même des cauchemars après ça. Mais si tu réussis à le passer, tu apprends beaucoup. C'est comme si tu en savais beaucoup à propos de tout ça. Oh, parce que j'ai déjà travaillé avec Tarashino avant. Oh, mais bien sûr. Alors quel genre de personne il est? J'imagine qu'on peut dire que c'est quelqu'un de super passionné. Et c'est pour ça qu'il a des standards tellement hauts. Son perfectionnisme ne lui a pas valu beaucoup d'amis. Mais personne ne peut dénier que son travail est incroyable. Bon, mais je suis pas venu pour blablater du directeur. Je dois aussi moi aussi m'entraîner de mon côté. Alors tu ferais bien de venir toi aussi. Bien sûr. Mais je me suis laissé un peu aller. Je suis un débutant à tout ça. Bon, je m'attendais pas à ce que tu sois un super acteur d'un coup. Alors tu n'as pas vraiment à t'en faire. Wow, t'as pas besoin de faire ça ainsi. Si je suis de bonne humeur, je vais te donner quelques instructions à la façon hollywoodienne. Même un extra devrait connaître les basiques du acting. Alors, je vais t'aider. Je m'en sens le devoir de toute façon. Je serai au Listen Studio. Tu ferais bien de pas trop me faire attendre. Mao, le coupable s'est enfui. Mais faut faire attention. Ne fais pas quelque chose d'insensé. Oh, je sais que tu devrais t'inquiéter, mais je veux attraper ce criminel. Alors, atchoum. Mao, est-ce que tu viens d'éternuer? Ouais, c'est vrai, je viens de le faire, alors. Je vais attraper ce sale mec, peu importe ce que ça va me prendre. Allons-y. Oh, Itsuki, tu as manqué la dernière ligne de Mao. Tu n'as pas utilisé sa phrase d'accroche. C'est le moment de frapper. En plus, elle est censée dire ça quand elle est en train de courir. Alors garde ça en tête quand tu es en train de donner la réplique. Oh, Ellie! Hein? Wow, quoi? Tu te rappelles même des lignes de Mao? Oh, ça! Je veux dire, je fais beaucoup de scènes avec Mao, alors c'est naturel de s'en souvenir. Ça ne me serait pas venu naturellement à moi?
c'est vraiment impressionnant. Mais non, ce n'est rien comparé à Hollywood. Et en plus, je suis une actrice star en devenir. De toute façon, à propos de Tsubasa, elle a un peu du mal à différencier son caractère quand elle éternue et quand elle est encore en fille. Oui. Il semblerait qu'il y ait beaucoup de choses à refaire durant ces scènes après qu'elle ait éternué. Il semblerait que Tsubasa se retienne. Ou peut-être qu'elle n'est pas sûre de comment elle doit jouer son personnage. Tu regardais beaucoup comment Tsubasa jouait, n'est-ce pas? Oui, regarder les autres gens faire la comédie, c'est une bonne façon d'apprendre de nouvelles techniques. Oh, attends, faut que je regarde mes messages. Daiba Studio a été attaqué par les mirages. C'est donc là qu'ils se cachaient depuis le début. Mais dire qu'on était juste là. Ils ont du courage de faire ça. Dépêchons-nous. Coupez, tout ça c'est naze. Directeur Tarashino ? Coupez ! C'était complètement naze ! Regardez, on dirait que le directeur... c'est la personne qui fait tomber les gens. On doit l'arrêter, et rapidement ! Itsuki, qu'est-ce qu'on fait ? Si c'est la même que d'habitude, on doit séparer son mirage qui est connecté avec le directeur en premier, et ensuite le battre. C'est impardonnable. Tous les nouveaux talents d'aujourd'hui sont complètement nazes. Je ne peux pas trouver un seul acteur capable d'exprimer ma vision. C'est quoi ce bordel? Ok, prise 158. On s'arrête pas tant que j'ai pas ce que je veux. Regardez ce que je veux. C'est un jeu qui pourra captiver l'audience en un instant. Mais moi, je vais me faire captiver par un acteur qui a assez de cran pour faire tout ça. Coupez, coupez, coupez! Non, 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 non! J'arrive pas à voir ce que je veux. Je voudrais un endroit comme celui-ci. Prenez tout, on change de studio. On doit le poursuivre!